Comment il s'énerve? Ouais. Le capot? Ouais. Ouais. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Vlog 175. Déjà? Ah bah. Eh, déjà. 175. Ouais, ouais. Allez, générique. Ah ben voilà, comme le titre le dit, on est revenu en France. Voilà. Ouais. Bien content de rentrer, mais... Ah, de rentrer, on n'a pas chez nous. Hein, oui, mais je veux dire rentrer oui. dans un territoire où on peut parler. Oui. Hein, oui. Faut être réaliste. Hein. Ouais. C'est bien les pays étrangers, mais ça, on a l'impression, dès qu'on arrive, dès qu'on a passé la frontière, ça y est, ça marche bien. Hein, c'est... Ouais. Bon, faut dire qu'on est tombé dans une période qui était un peu, hein, qui était un peu bizarre, mais... On vous montre ce qu'on fait et on en reparle après. Hein. Bonjour. Oui, oui. 6. On reprend la route. Tiens, je sais pas si vous voyez derrière moi là. Ça va être une nouvelle ère de camping-car là. Voilà. Tout ça. Ça va être encore. Hein. Là, bon, toujours est-il qu'on reprend la route et direction. X. Vilsec-les-Corbières. Bon, on va y aller d'un coup parce que... Mais d'un coup, mais doucement. Ouais. Parce que... il faut quand même que... Bon, on n'a pas de chance. Hein. Il faut qu'on rentre en France le jour où ça va être bloqué. Ah là 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 là. Bon, on va se débrouiller. On essaiera de voir comment va la route. Et je vous dis à bientôt dans l'escargot. Et à plus dans le bus. Et ben voilà. Allez, on arrive à la frontière. On est presque... Ouais, bon, il nous reste encore 83 km. Ouais. Et... c'est... les derniers kilomètres, là, ça devient... C'est plus dur. Déjà, on est à la Jonquera. Et... Ah ben oui. Là où il y a les fameux magasins... Ouais, soi-disant moins cher. Et... alors que... pipo, pipo. Ah, hey. Les gens ils passent la frontière, ils viennent ici, mais c'est... il fallait mieux les prendre plus bas. Hein. Ah bah oui. Quand j'ai vu les prix de l'huile et tout, je me suis dit, peut-être on a bien fait de les prendre les 3 litres à 13 euros. Ouais. Ah, et le coup ici, c'était à 33. Ouais. Ah, et à... ah oui, Bon, allez, hop, on va passer la frontière dans quelques mètres. Ouais, je vais garder. Le fort Vauban. Ouais, bah, il s'est déjà allumé. T'as allumé? Ouais, allumé le feu. Allumé le feu, ouais, ça y est, on est à 1 km de la frontière. Oh, il y a un truc qui te klaxonne. Camping-car devant. Normalement, et voilà. Ça devrait bien se passer. On est dans l'espace Schengen. Non, mais bon. Et voilà. Attendez, je retourne un peu. Voilà. Voilà. Il y a la poste frontière. Ah. Ça y est. Ça y est. Le Pertuis. Le Pertus. Voilà. Col du Pertus. Ah là 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 là. Il y a encore beaucoup de touristes là. Hein. Voilà. Je dis pas les routes. Regardez déjà là en bas et le verger. Bon là ça va encore, mais avant il y avait plus. Oula, avant il y avait plus. Je n'ai pas osé regarder les routes et oh là, ça tire. Eh ouais. Il a du mal, l'escargot. Allez mon grand. Attends, va. Un petit coup chez Babou. Ah, ouais, ouais, mais bon. Et tu vas bien? Je me sens pas perdu là, tu vois. Pas du tout. Fait, mon téléphone il bouge un peu trop. Ouais, mais regarde, là tu vois bien le
Oui. Ouais. Et oula, je fais voir hein, doucement. Ah, vous voyez, oh, pas pour tes chemins. Regarde pas, si tu peux pas, c'est pas grave, bon ça va, c'est pas... tout à l'heure c'était plus haut, hein. Ah ouais, non, non, mais en plus c'est super joli. Regardez là-bas. Ah oui, bah, justement. Trop beau. C'est pour ça qu'on y retourne tout le temps. Non mais bon, on y retourne, il est quoi, quelle heure? Je sais pas. Quand je regarde par rapport... Je vous ai dit le... Ouais. Il y a des petites piquettes là-bas au fond. Voilà, aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer comment on fait un soleil. Alors, bon, j'ai commencé plus tôt. J'ai mis... Non, mais ça, ils verront sur la photo. D'accord. La petite pâte qui est dessous, plein de sauce tomate. Et là, je l'ai recouvert avec une autre pâte, mais feuilletée naturellement. Et voyez, au milieu, j'ai mis un... pour avoir le rond du soleil... un verre et après je vous montrerai. Voilà, me revoilà. Et là j'ai donc fait les rayons de soleil, comme on dit. Là, voyez, j'ai coupé tout autour. Bon, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands, mais comme Babou me dit, avec Mina, il n'y a pas le compas dans l'œil. Voilà, et après je vous montre ce que je fais plus tard. Voilà, je tourne comme ça. Mais déjà, il faut avoir les mains propres. Hein. Allez nettoyer vos mains. Pourquoi? Parce que tu crois que les gens, ils font la cuisine sans nettoyer les mains? Bon, on ne sait jamais. Bon, au pire. Voilà, je recoupe parce que c'est pas bien coupé. Et là, délicatement, vous tournez 2-3 tours. Vous voyez, comme ça. Bon. Je te laisse, on le fera un peu plus tard. Résultat. Bon, c'est pas encore fini. C'est pas encore tout à fait fini. Bon, alors déjà, tu as fait le tour. Oui, et j'ai mis les rayons, je les ai tournés. Bah, vous ouais, bon, c'est pas un rayon de soleil tout à fait, mais bon. Allez, bah, si, hop, c'est mon rayon tu vas soleil, faire quoi maintenant? C'est ton rayon. Ok. Oui. C'est tout un rayon. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, un petit truc, je dirais pas le nom. J'ai pris ça, là, le pinceau, et puis le truc, et là, je badigeonne. On fait d'abord le rond, la figure, après on badigeonne sur tous les rayons. Faut être généreux.
Ah oui, ah bah, comme toujours, Il faut toujours être avec généreux. moi, je mets toujours. Ouais, bon, je vois pas trop la couleur, hein. Mais c'est pas grave, là, on voit pas, mais attends que c'est passé dans le four. Ah d'accord, ok. Ah parce qu'il faut que... Ah oui, que Ah je bah, suis tu bête. vas pas le manger cru, non? Non, 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 mais bon, avec toi, on sait jamais ce que tu vas Non. me faire manger, hein. N'importe quoi. Vous l'entendez comme il est? Toujours méchant. Mais Alors oh, c'est pas méchant, c'est une que je suis magagne. toujours gentille avec mon C'est une chéri. magagne. Eh oui. Voilà. T'aimes bien les magagnes, toi, Ah, pourtant. j'adore. Bah alors. Voilà. Bon, c'est presque fini. Là, il y en a encore uno. Et voilà. Et après, tu mets ça au Et four. non. Oui, c'est bon, je peux. Non, non, je Voilà. descends. Ah, là, là. Eh ben voilà, mon soleil est fini. Ouais, bon, il est passé par où, Il a par... un peu passé par Brésil, mais Par le c'est pas Brésil. Bon, ben, ça va, mais ça, c'est le fond. grave. Tu sais, c'est là où, quand on est près du... Ça, c'est l'inconvénient du four, hein. Eh Mais il est ben oui, bien, mais hein. c'est pas grave. Il est beau, hein. Il est trop, trop beau. J'ai hâte de Ah goûter ça. ben, tu attendras. Ah, bah oui, je sais que je vais attendre. Allez. Bonjour, Babou. Ah, Regarde ouais. la route, mon chéri. Oui, je C'est regarde, je très regarde. important. Oui, mais c'est pas ça, c'est Je vous que... explique pourquoi je dis ça, c'est très important. Parce qu'on a un vent pas possible. Comme il dit. À décorner les bœufs. Voilà. J'allais dire à décorner les vaches, mais Ouais, c'est mais les pareil. bœufs, c'est pareil. C'est pour ça que je l'ai dit, il faut être très très concentré. Ouais, bon, je le suis déjà. Ouais. Hein, Ouais, je je suis sais. déjà. Je Bon. sais. Oh, j'ai Ouais, mais jamais je dit suis ça. centré sur la route, alors ça va. J'ai jamais dit ça, mon Non, mais chéri. oh là là là. Bon, alors, on reprend la route, on est samedi 11, hein. Oui. Et bon, on voulait partir hier, il y avait beaucoup de vent. On s'est dit aujourd'hui ça va peut-être aller, mais en Oui. fin de compte, ce matin, il y en a encore autant. En plus, Bon, il y a le soleil. il y a le soleil, oui. Que Oh oui. là là, oh là là, oh là là. Ça, c'est qu'on sort De de l'air. l'emplacement. Bon, alors attends, moi je suis un peu perdu là parce que il me fait passer. Bon, c'est normal, c'est par là où on est venu la dernière fois. Alors, il me fait repasser par le même endroit. Mais. Ah, disons que. Ah, C'est on la a le truc barrière du de temps. Wally. Bon, je vous dis à bientôt dans l'escargot et à plus dans le bus! Les amis, Babou a une nouvelle chose à vous annoncer. Vous allez Non, rigoler. non, mais bon. Ouais, Putain, bon. je m'en aperçois maintenant, là. Mais enfin, tonk. Ok. Ah ben oui, non, je voulais parler de toc, et non pas de tong. Je me suis aperçu qu'en fin de compte, j'ai un toc. Quand, à Mais l'intérieur de la c'est une lèvre. chose que je savais depuis Ah oui, longtemps. mais bon, moi, je m'en suis aperçu, là, parce que on est sur l'autoroute et on roule normalement. Bon, normalement, écoutez, je suis à 70 km/h, hein, sur l'autoroute à 130. Mais pourquoi je suis à 70 km/h, d'après vous? À cause du vent. Eh oui. Alors, comme ça bouge beaucoup, beaucoup, et que la remorque, moi, elle me perturbe un peu avec C'est vrai. ce vent. Ah ben, j'ai préféré. D'abord, comment il y avait un panneau comme quoi la vitesse était limitée à 70 km/h pour les camions. Bon, je me considère comme un camion. Et ceux-là qui sont pas contents, ils sont qu'à doubler. Voilà, ils ont plus qu'à doubler, ils ont de la place. Alors, toujours est-il qu'en fait, je m'aperçois qu'en fait, je suis toujours en train de me mordiller à l'intérieur de la joue. Et ça fait un toc. Mais chérie, tu l'as fait depuis longtemps, Oui, ça. mais bon, maintenant, j'en prends conscience. Eh, que Oh. veux-tu là? Eh ben, dis donc, ça te va pas que tu vieillis, hein? Ah non, mais bon. Allez, hop, il nous reste encore 120 km à faire.
On va essayer de rester calme. Bah, non, mais ça va, ça va. J'espère que tu vas pas te trouver un autre toc, hein. Non, non. Mais alors, c'est arrêté pour prendre du GPL. Je pensais que la voiture, du moins, qu'on avait consommé beaucoup depuis l'Espagne, puisque depuis l'Espagne, on a allumé le chauffage pour prendre la douche, pour éviter d'être dans les températures négatives. Et bon, c'est vrai que la cuisine, on la fait toujours électrique. Comme ça, au moins, ça économise le gaz. Avec la fa... Ah tiens, je peux faire une... Quoi ? Une minute. Ah bon ? Pour la montrer. Montrer quoi ? Ma nouvelle plaque. Ah ouais, d'accord, tu montreras la nouvelle plaque. En fin de compte, on s'est aperçu que je n'avais pris que pour 3 litres et demi. Hein ? C'est ça, 3 litres oui, et demi. Oui, hein. Oui. Bon, ça veut dire qu'elle était presque même pas entamée, hein, parce que 3 litres sur 13 litres, et je trouve que c'est bien. Comme ça, ben, ça nous permet d'éviter d'utiliser les gaz, les bouteilles françaises. Ouais. Bien que maintenant, on a trouvé l'astuce. Bon, allez, on continue et à bientôt dans Escargot. On est à Courson. Alors, bon, c'était un village qui est un peu... Hein ? Il est beau comme village. Ouais. Mais regardez l'église qui est au bout, là. Alors, attends, moi, je vais tourner par la gauche, la caméra. On allait dans les petits bois. Hein. J'adore les petits bois. Encore un kilomètre. Là, où il y a le... Ah ouais, c'est là. Comment tu as su ? Les amis, je suis pas là, mais je vous parle de ce que j'ai fait les gâteaux. Vous voyez, j'ai déroulé une pâte, j'ai mis du sucre dessus, je l'ai plié en deux et j'ai encore mis du sucre avec de la cannelle. Après, je l'ai replié, j'ai remis du sucre avec de la cannelle et encore une fois, je l'ai plié et j'ai mis de la cannelle. Et voilà, et j'ai donné à Babou et Babou, il coupe en petits morceaux. Voilà, vous voyez la main de Babou. Et après, encore, on vous montre comment c'est en grand. Et après, je les ai pris un par un et je les ai posés sur le plat. Et zout, au four. Voilà le résultat. Ils sont un peu brassés par Brésil, mais ce n'est pas grave. Bon, ouais. Voilà, hein, vous avez vu. Bah, on était à Ville-Sec. Hein. Ouais. Oh là, bah, il y avait... Écoutez, avant... Bah, comme à décorner hein. les bœufs. Les bœufs, ouais.
je sais. T'as pas oublié, hein? Non. Et les bœufs ou les vaches, exactement. Oui, ouais. Bon. Mais un vent. Alors, Mina, elle voulait que je parte pas tant qu'il y avait du vent. Ah oui. Mais moi, je lui ai dit, on attend que le vent s'arrête, on partira jamais. C'est pas ça, c'est que. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui me comprennent. Nous, on a l'escargot et la limace. Alors, ça veut dire qu'il y a un coup de vent, il nous emmène notre limace et non, ça fait disons que, surtout que c'est du vent latéral. Ça fait un appel d'air. C'est pas du vent frontal, c'est du vent latéral. Alors, c'est vrai que. Déjà que ça nous bouge l'escargot, on l'a vu. Oui. Hein. Bah, et en plus, un coup à la limace. Et quand, de toute façon, et quand je sens pas les choses, faut pas y aller. Oui. C'est véridique, chérie. Ah bah, écoute, on a là, vous avez, je sais pas si vous vous rappelez de l'intuition par rapport au Maroc, hein, qu'on aurait dû aller au Maroc et que le coup du chien et tout. Et en fin de compte, quelques mois après, hein, un mois après, on s'aperçoit que, en fin de compte, le Maroc, cette année, il y avait la neige. Ils ont eu de la neige, beaucoup de pluie, voilà. Que froid, que ouais. Bon, c'était une année très, très bizarre là-bas. Bah, regarde. Alors, c'est peut-être pour ça, vous savez, nous, on cherche le chaud. Bah, regarde, Abdella. Ouais. Il nous l'a dit, hein, c'est. Ouais, ouais, ils nous ont dit que c'était quand même. Cette année, c'était une. Ah! Ah! On a voilà. Un petit souci, hein. Voilà. Ouais, bah. C'est parti encore, tu vois, c'est. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a, la table, elle veut pas. Le truc, il veut pas. Le truc, il veut pas coincer. Aujourd'hui, il veut pas. Bah, attends, je vais vers toi, là. On est un peu. Mais le problème, c'est que je trouve qu'on est un peu trop haut. J'ai un petit. Oui, j'ai eu. Oh là là. J'ai eu un petit souci, j'ai perdu une dent. Et dès qu'on remonte en Alsace, on va. Ouais. Rétablir tout ça. Bah, écoutez, hein, je vais tenir comme ça en attendant, parce qu'on peut pas faire autrement, hein. C'est. Hop, voilà. Oh là là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est vrai que c'est un nouveau pied, mais. Je crois que ça. Le pied n'est pas terrible, terrible. Voilà. Bon, toujours est-il comme on l'a dit, c'était bien, comme ouais. D'habitude. Oui. Et le seul avec problème, le vent. Oui. Mais bon, c'est bon, on va pas revenir dessus. Non, il y a les chiens qui aboient à côté. Les chiens. Ça. Ah oui. Cette année, on l'a ressenti beaucoup. Ouais, ça m'a. Deuxième. Le matin, 6h30. Waouh. Malgré que j'adore les bêtes, mais. Et le deuxième, tu vois, ça me fait tout drôle là parce que j'ai la truc qui le poids, je crois que c'est l'appareil. Vous savez, il est lourd celui-là. Et voilà. Et maintenant, bon, on a pris la direction. Oh non, putain, mais c'est pas vrai aujourd'hui, hein. Voilà, on a pris la direction de Nîmes. Ouais. Et là, on s'est posé chez Bernard. Hein, vous avez vu la vidéo. Plus difficile cette fois-ci au niveau de la route. Hein. On n'a pas pris les mêmes chemins, mais la route était quand même compliquée. Surtout qu'on arrive par l'autre en haut. Autrement dit, il a fallu pour tourner, c'était en angle droit. En plus, c'est des petits. Bah, il a fallu que j'enlève la remorque. Ouais. Hein? On a bloqué la route. Comme d'habitude. D'habitude, il y a personne. D'habitude, il y a personne sur cette route. Mais comme par hasard, nous, quand on y a été. On a eu 2, 3, 4, 5 voitures, on a bloqué. Oui. Bien entendu, vous savez comment ils sont, les gens du Sud. Pas très patients. Si, il y avait une dame. Une dame, oui, mais très bon. Très sympa. Par contre, il y avait un monsieur qui était un peu. Ouais. Bon. C'est mais pas grave. J'ai rien dit. Et voilà. Dès que je l'ai vu, il m'a fait les gros yeux. Je dis ah. Ah bah tu fais les gros yeux. Ouais, il m'a fait. Ah bon. Bon. Comment ça. Je dirais. Bon, il y a du soleil, hein. C'est peut-être pour ça, on a de la chance, on a du soleil, il n'y a pas de vent. Il faut ça fait quelques jours qu'on est là, ouais. Et il fait très chaud. Hein. Ouais, c'est un temps magnifique. Je comprends pourquoi Nîmes était réputé pour avoir beaucoup de soleil. Ouais. Voilà. Bon, alors que quand vous verrez cette vidéo, on sera quand même un peu plus loin dans notre aventure, ouais. Parce que de toute façon, on à chaque va remonter. Fois qu'on monte maintenant, je mets sur Instagram. Voilà. On mettra pour savoir exactement où on est, ça sera ouais. Plus facile de regarder sur Instagram parce que là on peut c'est pas ça, c'est qu'on voulait être ici pour pouvoir récupérer les trucs d'Amazon. Amazon, on a été un peu coincé à Villesèque, mais là comme c'est les parties les plus importantes
entre le, on attend nos cartes SIM, on attend le frigo et tout. Mais là, on est en train de, en fonction de comment on monte, d'où on monte, où est-ce qu'on va pouvoir les faire réceptionner. Ouais. Comme en ce moment, Amazon en général livre toujours un ou deux jours avant la date marquée sur les trucs. Ouais, mais bon, là pour l'instant, c'est ce qui s'est passé. Oui. Hein, alors on est un peu embêté, mais ça nous fait partir plus tôt. Ou... Bon. Allez les amis. C'est les hein. C'est les joies. Eh oui, tout à fait. Bon, allez, on vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Surtout. Bye bye, bye les bye. Amis.